Allô? Tu quittes le CSS de Laval et tu voudrais conserver les fichiers que tu as créés tout au long de ton parcours? Voici comment faire. D'abord, il faut s'assurer d'être connecté dans son compte Google. Il faut s'assurer ici que c'est vraiment notre numéro de fiche qui apparaît. Ensuite, dans la gaufre des applications ici, on va aller chercher Google Drive ou Google Disk ici. Dans mon disque, j'ai plusieurs dossiers ici. Je peux en sélectionner juste un comme ceci ou encore, en utilisant ma souris, je clique et je maintiens pour être capable de sélectionner plusieurs dossiers en même temps. Pour mon exemple, je vais choisir seulement un dossier à télécharger. Donc, je vais choisir le dossier « Images ». Je vais cliquer droit avec ma souris. Et dans le menu qui va apparaître, je vais choisir « Télécharger ». Je vais avoir un message ici qui me dit qu'on prépare le téléchargement. S'il y a beaucoup de fichiers, c'est possible que ça prenne beaucoup de temps. Ensuite, je peux choisir à quel endroit je vais l'enregistrer. Ça peut être sur une clé USB ou encore sur le bureau. Si je clique sur le bureau ici, voilà. Je peux aller choisir un des dossiers que j'ai déjà créé ou encore je peux créer un nouveau dossier en cliquant droit, je vais avoir le menu et je peux l'appeler sauvegarde. Donc, c'est dans celui-ci que je veux enregistrer mes photos, mon dossier. Je vais cliquer sur enregistrer. Une fois que c'est fait, on peut voir ici que j'ai un nouveau dossier qui a été créé qui s'appelle sauvegarde. En cliquant dessus, je vais pouvoir l'ouvrir et voir qu'à l'intérieur, j'ai plusieurs images qui ont pu être transférées directement sur mon ordinateur.